Salut tout le monde et bienvenue au 12e épisode des Sportifs du Clavier. Ce podcast est présenté en association avec la boutique Génération Geek, située au 802 rue Chantilly Est, à Longueuil. Hey, salut tout le monde à la maison, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va super bien, j'espère que vous allez mieux que moi, parce que personnellement, je vais pas bien, pas à tout, mais pas à tout, mais rien qui va m'empêcher de pouvoir être avec vous autres, pouvoir faire mon épisode des Sportifs du Clavier, avec mes deux collaborateurs habituels, Cook et Marc. Comment allez-vous les boys? Ça va très bien, ça va très 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 bien. good, excellent, excellent. Cook, qu'est-ce que ça fait cette semaine? À part manquer de sommeil, vraiment. Ah, ben Chris, mais moi pas ça. à ce point-là, quoi? À ce point-là? Ah, ouais, j'ai une petite habitude de me coucher tard plus crise. Mais ouais. Ouais, on va essayer de remédier ça cette semaine. Crise de bébé? Ouais. Oh. Ouais, disons que j'ai découvert que j'avais pas de talent pour coucher un bébé hier. Après 2 heures de temps, ouais non. 2 heures de temps? C'est particulièrement long. Et maman était capable de le faire en combien de temps? Ouais, elle a fait en 15 minutes. Ok. Ouais, ok. Pas hâte, ça. Sinon, t'as-tu joué à quelque chose? J'imagine que t'as fait beaucoup ouais, de Fallout. Ouais, j'ai joué un peu à Fallout. Alors, 4. J'ai recommencé à jouer un peu à LoL cette semaine. Pas vrai? J'étais un peu dans le bassin avec les nouvelles Mastery et les nouvelles items d'ADC. Ouais, avant le début de la saison. Ouais, beaucoup à apprendre. Oui, pas mal. Quoi simuler, c'est terrible. C'est assez hot. Puis c'est, ben en fait, c'est le fun parce que t'as tellement de personnages qui sont rendus beaucoup plus forts qu'ils étaient dans le temps à cause de ça. C'est ridicule. Le Mundo est rendu une bête. C'est terrible. C'est rendu une brute. Moi, le truc qui m'a le plus marqué, en fait, c'est que je trouve que maintenant, les games ont un pacing plus vite, la dynamique est plus rapide. Mm-hmm. Puis, je trouve que la game te punit plus maintenant quand tu fais des erreurs, justement parce que le jeu se fait plus vite que je trouve dans les dernières saisons. Ah, oh, mais hein. Des games de 40 minutes, là, je vais t'avouer que ça m'est pas encore arrivé. J'ai eu une heure l'autre jour, par exemple. Non, mais c'est sûr que ça arrive une fois de temps en temps, mais je trouve que ratio général... Là, ah non, c'est clair. Moi, je me souviens des premières saisons où c'était 50 minutes une game. Là, puis là, ah non, c'est clair que c'est plus, heure, c'est plus pareil. Là. Mais non, c'est, mais ça, au moins c'est le fun. Puis le nouveau système des minions qui est enfin mis en place, il fait chier. Oui. Vraiment beaucoup. Marc, comment ça va? Oui, ben ça va hey, très très bien. T'es donc bien beau. T'es bien beau, me semble que ta caméra est comme... T'es tellement beau. Écoute, cette semaine, j'ai fait beaucoup d'achats. J'ai fait un achat d'un nouveau PC, un achat aussi d'un nouveau clavier, souris, caméra, etc. Écoute, je pète les Black Friday! Ouais, ben, en fait, pour le Black Friday en plus, fait que ça va super bien pour les spéciales. Fait que j'ai tout acheté, tout ça en spécial. Fait que, tant mieux. Ben ouais, ça va vraiment bien. Marc en HD, comme il a dit, Zero Lag Gaming. Ben, ouais. Effectivement, JetGo, on va en parler tantôt d'ailleurs. C'est une grosse nouvelle, puis c'est clair que Marc passait pas à côté ah, de oui. ça. Ouais. Ça, on va en parler un peu plus tard. Mais sinon, c'est sûr, ça va être un gros sujet à en parler. En nouveau PC, vas-tu faire la transition sur le PC gaming? Ah, ça commence, parce que j'ai joué à League of Legends hier, puis j'ai joué aussi à CSGO. Oh, t'as! C'est mes deux jeux principaux. Oui, guys, j'ai joué à League of Legends. Toi, j'espère que t'es conscient que tu viens de signer un pacte avec la diable. Je sais pas. Tu vois, ça, c'était ta vie, OK? Cette feuille de papier-là, c'était ta vie. OK. Là, j'ai peur. Débranche pas ton PC de suite, Marc. Débranche pas ton PC de fin de show, mais si tu débranches ton PC de suite, on te perd. Bon, ben écoute, parle-moi de ça, tant mieux, ça fait du bien. C'est le fun, on va pouvoir avoir des belles grosses games, parce que c'est quelque chose que je vais introduire un petit peu tantôt, qu'on va introduire en fait l'année prochaine. Mais on s'en reparle. Déjà, on s'en reparle. On se voit déjà l'année prochaine. Ben oui, mais il reste juste un show avant l'année prochaine, en fait. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. On va te perdre souvent masque comme ça durant le show. Faut
Puis il est vraiment à faker le fait qu'il est malade pour qu'il est malade demain. Oh my god, hey, excusez-moi pour comme ça, là. Comme ça, il va pouvoir mettre ça. Excusez... Il va pouvoir montrer la vidéo à son boss. Excusez pour ça. Bon! Écoute, on perdra pas plus de temps avant que si je veux pas mourir en plein live sur le show. Puis on s'en va tout de suite pour les nouvelles. Nouvelles. Grosse, grosse. Il y a beaucoup de nouvelles cette semaine, en fait. Puis on va commencer par faire un petit retour sur une des grosses, grosses, grosses compétitions qu'il y a eu en fin de semaine dernière. Le DreamHack Winter. Ça a été... JetGo, du Buckley, j'en ai. Ça goûte pas bon, mais... Puis... ouais. Faut pas je sac, mais... C'est dégueulasse. C'est tellement, mais tellement pas bon, ce sirop-là, là. Ça n'a pas de sens. Si on tape le 30, viewer... J'en prends une cuillère live. Nice! Okay. Non, mais c'est tellement pas bon, ce sirop-là. Sérieusement, là, c'est dégueulasse. Ma blonde avait acheté du Robitussin. Tu sais, tu prends du Robitussin, déjà du sirop, c'est pas très bon à boire, t'sais. Mais le Robitussin, au moins, il est rose. Tu sais, puis il y a une couleur invitante quand même à boire, tu sais. Fait que là, tu fais comme, moi, ah, OK, ça va être pas très bon, mais au moins, ça a de l'air beau. Du Buckley. Prenez de la melasse, diluez ça. Hein? J'aime ça, la melasse. Non, oui, mais non, mais prenez de la melasse, laissez ça dehors à plus 45. Ça va devenir une consistance épaisse, visqueuse, dégueulasse, avec une couleur qui va s'apparenter pas mal à ce que tu veux pas qu'il ressorte quand tu prends du Buckley. Ben, c'est ça, du Buckley. C'est tellement, mais pas bon. Tu l'avales, ça coule pas, ça tombe. Pas! C'est rigide. Ah, en tout cas, on n'est pas au malade du clavier ou au bronchiteux du clavier. Mais on fera pas un épisode spécial sur le Buckley, là, mais c'est tellement pas bon. DreamHack, pour revenir sur le sujet principal. J'ai pas tout suivi la compétition qu'il y a eu à DreamHack. J'ai passé, comme vous pouvez le voir, la fin de semaine sur le cul. Mais j'ai eu la chance de pouvoir regarder une couple de games de Smash, qui était la compétition pendant DreamHack, qui m'intéressait énormément. Puis, je pense que Marco va être d'accord avec moi. Yes. La plus grande déception de la fin de semaine, c'est Leffen. Leffen. Pourquoi Leffen se fait battre par un Samus? Expliquez-moi dans le chat, guys, que Leffen, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un joueur Fox qui est extrêmement bon. Puis, je ne sais pas dans le chat si vous connaissez un peu le système de tier list, mais Samus est un medium tier, puis un Fox est un top tier. Fait que Leffen, il joue Fox, Doc, c'est lui qui avait affronté. C'était un Samus. Doc a gagné contre Leffen. C'est ridicule. Je ne comprends pas. Leffen a même pas fini dans le top 8. Il a fini comme 9e. Là. Il était 3-4 taille à 9e place. Là. Il a fini 9e. T'es-tu malade? Non. Il joue juste mal dernièrement. Leffen, il est faible contre un Samus. C'est juste mais un point ça. Ça fait une coupe de son personnage, il va wreck. Ça fait une coupe de compétition que Leffen, il fait rien. Je veux dire, la première game qu'il a perdu Leffen pour tomber dans le loser bracket là, c'était pas contre un Samus là, c'était contre Falco, je pense. Ouais, je me trompe c'était pas, Westballs. C'était oui, exact, c'était Falco contre Fox là, c'était skill matchup pur. Ouais. Ça c'est deux matchups, ça c'était un matchup qui est serré. Un Falco puis un Fox, c'est toujours serré. Mais j'ai beau, Leffen, merci, bye! On dirait que Leffen, dernièrement, c'est comme un free pass, tu sais. Ouais. C'est plate à dire, parce que TSM, Leffen, était comme vraiment bon un bout. Oui, mais parce qu'avant, dans les autres tournois, il était fort, parce qu'il a gagné quand même deux ou trois tournois de suite. Ouais. Puis on va s'en souvenir, à EVOS, c'était la même situation.
Leffen contre Props. Props, un Samus main. C'est fait de battre. C'est fait de battre. Mais comme dans, toujours. Dans top 8. Dans top 8. Fait, au moins, il n'y a pas donné d'explication. Il n'y a pas rien écrit. Il dit pas, je ne suis pas dans ma game. Non, non. Des fois, il aurait pu avoir des signes comme quoi il dit qu'il filait pas. Il y a eu un peu de trash talk, mais c'était pas. Il me semble que c'était pas vis-à-vis de Leffen, mais je sais qu'il y a eu un peu de trash talk, puis c'était quand même assez drôle. Mais je ne sais pas, c'est vraiment Leffen, il y a de la misère, mais c'est juste trop bizarre parce que tu peux pas te faire battre contre un mid-tier par que tu joues à un top-tier. C'est juste trop bizarre. Effectivement. Mais bon, il a besoin encore plus d'entraînement contre un Samus. Puis c'est ça, je pense, qu'il va faire avant la fin de l'année. En mois de janvier. Le pire, c'est que toute l'Europe. Pendant DreamHack, à part Armada, Armada est européen, right? Oui, allez, oui. À part Armada, la plupart des Européens ont pas si bien paru que ça pendant DreamHack. C'est quand même surprenant. Non, c'est quand même surprenant. C'est tout. C'était chez eux, là. DreamHack, c'est comme le plus gros festival en Europe, si c'est pas au monde. Et eux autres, ils s'auto-proclament the world's largest digital festival. Ce que j'ai pas de misère à imaginer. Mm-hmm. Mais je sais pas, les Européens ont vraiment pas bien paru. Petite mention comme ça avant qu'on continue la discussion sur DreamHack. Si dans le chat vous avez des questions, des commentaires, mais plus des questions, vous pouvez taper votre commentaire et à la fin du commentaire, utiliser le hashtag LSDC. Notre bot garde ces commentaires-là en mémoire et nous avertit, nous, qu'on a des commentaires qui attendent, puis je peux les lire plus facilement comme ça. Fait que hashtag LSDC à la fin de votre commentaire et comme ça, on peut le voir plus facilement. Puis si on n'a malheureusement pas vu pendant qu'il défilait dans le chat, ben au moins, on va le voir là. Un petit soulignement aussi. Je remercie le chat pour toutes les infos sur les divers jeux. Tout vraiment le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Ouais, oui, c'est vrai. Sinon, une personne qui a pas trop mal paru, mais qui a eu un tournoi semi-difficile, Mango, encore une fois, mais il a fini 5e. Il est tombé dans le loser bracket, puis dans le loser bracket, il a pas trop mal paru. Fait qu'au moins, mention spéciale à Mango qui a quand même bien paru, même si ce n'était pas encore un de ses meilleurs tournois. Ben, comme il a dit à M. Jago dans le chat, c'est vrai, les tiers, ça veut rien dire. Je veux juste dire que un Samus, il y a quand même des faiblesses. Il y a quand même beaucoup de faiblesses. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent ça. Mais quand même, un Fox, c'est supposément battre tous les... Pas près ses personnages, on va dire, mais en fait, un Samus. Mais oui, c'est vrai que les tiers, ça veut rien dire. C'est vrai. Non, c'est clair, mais... Les tiers aident beaucoup. C'est comme dans League, c'est comme dans la majorité des jeux. Tous les jeux qui sont un minimum compétitif vont avoir un tier list. Sauf qu'une personne, tu peux jouer... C'est par expérience. C'est ça, c'est par expérience. C'est toujours selon contre qui tu te prends. Il y a certaines personnes... Moi, mid, je vais prendre un exemple dans League. Si je joue mid, puis je joue contre un Z, peu importe quel personnage que je vais jouer, peu importe si le personnage est supposé pouvoir s'asseoir sur Z puis te faire un petit caca dessus, je ne suis simplement pas capable. Laner contre Z, je ne suis pas capable. Je me fais chier. Je le banne. Je suis juste pas capable de gérer ce bonhomme-là. Je me fais tout le temps avoir par Z, c'est ridicule. Puis peu importe comment je vais être capable d'avoir 2, 3, 4 kills dessus, il pogne son nul. N'a plus de beau lieu. C'est fini. Fait que, oui, des tier lists, ça veut rien dire, mais en même temps, des tier lists, c'est là parce que c'est vrai. Ça regarde le nombre de wins, ça regarde les win rates, ça regarde. Selon la patch actuelle, qui est plus fort que qui, pourquoi, comment, etc. etc., etc. Comme encore, en commençant à M. Jago, les tiers, c'est une bonne indication, sauf que ce n'est pas à prendre à une lettre pour les jeux de combat. C'est ah, ben oui, tout à fait. Tout à fait. Sinon, j'aimerais féliciter le champion de DreamHack Winter 2015, qui est Team Liquid Hungrybox. Yes! Hungrybox, pour ceux qui ne le connaissent pas, Hungrybox est le meilleur joueur de Jigglypuff au monde. Yes. Ce gars-là, sur Jigglypuff, est tout simplement une brute. C'est ridicule. Ce gars-là, je sais pas comment il fait. On n'a pas une belle de ça. C'est bien triste.
Comment, quoi? Je comprends pas pourquoi on n'a pas une vidéo de duel de ça, c'est bien. Les duels vont revenir jusque-là avec une bronchite sur le cul, j'avais pas le temps de faire les duels. Mais Jigglypuff, c'en est un bon exemple. Là. Jigglypuff est loin d'être God tier. Non, non, c'est avant ça fait une couple d'années, il y avait vraiment pas de main de Jigglypuff. Puis là, quand que Arguebox, on l'avait connu, il avait joué à Jigglypuff puis il nous a montré que ce personnage-là était utile. Oui. Mais tu sais, c'est un exemple, ça, de personnage qui est pas God tier. Jigglypuff est loin d'être God tier. Puis le joueur de Jigglypuff a gagné. DreamHack. J'aimerais en profiter pour dire bonjour aux gens sur le chat. Je vous ai pas salué aujourd'hui, mais j'aimerais ça dire un gros salut à Zero Lag Gaming, à Tikitri, à Vincent, un nouveau qui est arrivé lors du dernier épisode puis qui s'est joint à nous. C'est vraiment cool d'être revenu. Vincent, merci. Merci, Toon. Gros salut à JF Gendron qui commence à devenir un habitué. Un petit nouveau de la place, Sinatraz13, un petit nouveau. Ben salut, bienvenue dans les sportifs du clavier. XPKAC, salut XPKAC. XPKAC, merci d'être là. Fait super plaisir de te voir. Sinon, un gros merci à M. JetGo qui nous suit aussi depuis Day One. Donc, je vous rappelle, si vous avez une question à nous poser, vous la posez dans le chat avec à la fin hashtag LSDC. Et ensuite, moi, je peux faire une petite chose comme ça et je peux voir vos questions. Et là, Tikitri qui demandait pourquoi ça s'appelle DreamHack. J'en ai aucune maudite idée. Marc, de quoi? Hack de rêve. Ah, le hack de rêve. Parce qu'on vend des rêves. À DreamHack, on vend des rêves. Écoute, on va lire. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air de parler de ça sur l'histoire. Non, il n'y a pas... non, je regarde Wiki vite, là, puis il n'y a pas grand-chose qui dit pourquoi ils ont appelé ça de même. Ben, coudon. Ils vendent du rêve. Le hack de rêve. Ils hackent le rêve. Ouais. C'est parce qu'ils prennent... Tu sais, en gros, là, ils hackent le rêve. Fait qu'en gros, ils prennent le rêve de tout le monde, là, puis... Ne plus. Plus de rêve. On est rendu à expliquer ça, là. Mais oui, sinon, les gars, j'ai une question pour vous autres. Yes. Parce que, à la fin, lorsque Hungrybox a gagné, il était... littéralement en pleurs. Le gars était au desk d'entrevue et il braillait. Genre, tu voyais qu'il se retenait pour pas trop pleurer, mais le gars braillait. Yes. Puis, l'animateur a demandé à la fin pourquoi ça avait l'air d'être aussi émotionnel que ça pour Hungrybox finalement, pourquoi il était si émotionnel que ça? Et Hungrybox a répondu que son père était décédé dernièrement. Ça faisait pas longtemps que son père était décédé. Et son père, il avait toujours dit... Son père avait toujours dit... Je vais le dire en anglais, je vais le traduire après, parce que je vais le quoter vraiment mot pour mot. Mais son père, il a dit... Son, you'll never be the best. You'll be good, but you'll never be the best. En gros, c'est son père qui dit, écoute mon gars, tu vas jamais être le meilleur. Tu vas être bon, tu vas être très bon, mais jamais tu vas être le meilleur. Venant d'un parent, je trouve ça vraiment rough. Ouais. Surtout quand tu veux... Tu sais... Je peux comprendre qu'un parent, quand son kid veut aller dans le jeu vidéo professionnel, un parent a peur. C'est normal. Oui, c'est normal. Oui. Mais de là à aller dire ça, puis d'essayer de décourager ton fils, qui clairement montre un potentiel énorme, pour moi, je trouve que c'est pas acceptable. Non. C'est pas acceptable. Ça peut décourager son... Tu sais, il peut être découragé... Il peut être même pas être dans les compétitions Smash aujourd'hui. Là. C'est, peut-être qu'il aurait pu, je sais pas, moi, je sais pas, peut-être arriver à quelque chose, mais c'est quand même décourageant là, pour lui en plus. Moi, quand même, je le vois en fait. Je vois surtout que le père a voulu dire à son fils, écoute, genre, t'es vraiment excellent, tu sais, genre, je te dis, mais je veux pas que tu brises, tu sais, que tu te fasses des fausses à croire, que tu vas être le meilleur parce que ça risque juste de pas arriver. Mais t'es bon. Mais tu risques juste pas d'être le meilleur.
Oui, mais ben, il a été le meilleur. J'ai peut-être que son père l'a peut-être encouragé. Mais là, il a été le meilleur. Puis maintenant, tu voyais dans la phase d'Hungry Box à la fin que ça y a vraiment, vraiment, vraiment fait mal. Ouais. Puis, il a dit, Hungry Box a dit durant l'entrevue que il avait fait la paix avec ça. Puis qu'aujourd'hui, il était certain que son père le regardait. Puis qu'il était fier. Puis qu'il voyait qu'il tenait son chèque de 10 000 piastres. Puis qui était vraiment fier, tu sais. Mais c'est quand même rough, je trouve. Ah. Tu sais, c'est correct. Je trouve que c'est important de donner une claque de réalité des fois à ton gars ou à ton enfant. Il faut faire attention de la façon qu'on le dit. Ouais. Quand c'est nécessaire, tu le fais, mais tu sais, des fois, comme... Je sais pas. Non, c'est ça. Comme Vincent dit, tu peux vraiment jamais être le meilleur. C'est ouais. vrai, parce que peu importe ce que tu fais, il va y avoir quelqu'un au-dessus de toi, il va y avoir quelqu'un meilleur que toi quelque part. Il va y avoir une game où tu vas jouer mal, mais tellement mal que tu vas vouloir avoir le goût de tout lâcher. Mais le faut pas lâcher, c'est ça l'affaire, c'est faut pas lâcher. T'sais, si vous avez un rêve, les sportifs du clavier aujourd'hui vous disent ne lâchez pas. Do it! Do it! Si vous avez un rêve, allez-y pour votre rêve. C'est important. C'est important de rêver, puis il faut le faire. Tu sais, il y a Sinatraz qui dit sur le chat, il n'y a personne de meilleur que Faker. Mais c'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui a déjà tué Faker 1v1. Febivin a tué Faker 1v1. Pendant cette petite partie-là, Faker n'a pas été le meilleur au monde. Malheureusement. Puis même, encore une fois, on va en parler un peu plus tard dans le show, mais SKT se sont fait planté, v'là pas longtemps. Fait ça prouve que tu sais jamais ce qui arrive. Fait rêvez, les amis. Rêvez. Dream. Ben ouais, écoute, c'est le fun. J'aime ben, ça. C'est ça, dream hack. Ouais. Mais voilà, fait félicitations à Hungry Box qui a très bien paru contre Armada, qui, encore une fois, Dream, voyons, Hungry Box contre Armada, qui était... Encore la rivalité qui continue et qui continue de grandir. C'est vraiment hot. C'est débile. Je suis juste bien content que ça... En fait, je suis bien content que ce soit lui qui a gagné. Surtout selon les circonstances dernières. Fait encore une fois, félicitations, Gubox. Yes. Sinon, la prochaine nouvelle me rend triste un petit peu. Ça me fait de la peine de l'annoncer, mais... Overwatch. Non, je n'ai pas encore eu accès à la bêta. Cook non plus. Mais on peut quand même se donner une petite joie parce que la semaine prochaine, dans 7 jours exactement, lors de la dernière épisode des sportifs du clavier de l'année, la bêta d'Overwatch va prendre une pause pendant le temps des fêtes. Fait que tous ceux qui croyaient pouvoir jouer dans le temps de Noël, puis venir me faire chier, puis me le mettre d'en face, ben je vous dis, vous pourrez pas jouer! Parce qu'effectivement, la bêta d'Overwatch va prendre une pause à partir du 10 décembre jusqu'à la mi-fin janvier environ, pendant que les gens vont... effectivement, les gens vont être en mesure... les gens de Blizzard, en fait, vont être en mesure de pouvoir regarder un peu tout ce qui s'est passé, regarder les commentaires que les gens ont donnés, qui ont pu jouer, et tout ça, et revenir en janvier, vers la mi-fin janvier, avec une deuxième vague de bêta. Ils vont renvoyer des nouveaux invites. Tous ceux qui avaient accès à la bêta en ce moment vont avoir accès lors de la deuxième vague, et d'autres joueurs. Donc, En fait, le problème qu'ils vont revenir en janvier, ça risque d'être... vraiment, vraiment at large, parce que le jeu s'en vient en février, si je me trompe pas. Non, juin. Printemps? Juin. Ah, c'est juin que ça a été annoncé. Ben, ils disent spring, là, mais ça va être vers la fin juin, probablement. Là. Ben, mi-juin, en fait, je m'attends. Mais, ben oui. Fait que fuck you. J'ai vu qu'on avait des questions. Fait qu'on va aller répondre à des petites questions avant de passer aux prochaines nouvelles. Et la question, quel est votre team préféré de LoL pour NALCS et pourquoi? Sinatraz, je garde ta question, on va y revenir, mais qu'on arrive de parler à LOL. Ben, pas à LOL, mais de LOL.
prochaine question qui nous vient de JF Gendron qui dit « Max, comment as-tu trouvé World of Tanks? » Honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de plaisir que je pensais à ce jeu-là. J'ai vraiment eu du fun. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Le jeu est le fun. C'est vrai que c'est long, mais c'est... Ben, en fait, les games sont pas longues, mais le jeu est le fun. Je trouve que c'est cool. Moi, j'ai eu du fun. Attends. T'as-tu vu des games de Battle of Warship? Non. C'est long! Que j'avoue que ça doit être long. J'avoue, ça doit être complètement lent. Mais non, World of Tanks, c'était cool. J'ai eu du fun. Je l'ai streamé pendant une couple d'heures. J'ai eu beaucoup de plaisir. Les games contre les bots étaient trop faciles. Je suis arrivé contre des vrais joueurs. J'ai fait « Hey! J'ai été bon contre les bots! J'ai perdu comme pas de game! Fini! Mon plaisir a comme fini là! » Et là, il y a du monde qui me regardait streamer, qui ont trouvé ça très drôle et qui ont dit « Ne t'inquiète pas, la clé de ce jeu est la patience. Ceux qui me connaissent... Cook me connaît. Mais ceux qui me connaissent savent que je n'ai aucune patience. Fait que ce jeu-là risque d'être quand même drôle à me regarder jouer, mais je vais continuer à jouer parce que c'est très intéressant et j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci, Gendron. Je ne crois pas qu'on a de... World of Waiting Ship. Vincent, oui, effectivement, la botlane de feu de TSM, on y vient, mais que je parle de là. Sinon, autre petite nouvelle, en fait, c'est pas une petite nouvelle, c'est une très, très, très grosse nouvelle. Le Hearthstone Championship Tour. En gros, le Hearthstone Championship Tour, ce que c'est Blizzard qui ont décidé que Hearthstone, le e-sport de Hearthstone allait devenir... en 2016, énormément plus gros que ce qui est présentement. C'est même pas les mots à quel point qu'ils ont sauté des étapes. C'est énorme. Les autres se sont dit, hey, c'était pas populaire cette année, pas assez. Ouais. Fait qu'on va juste mettre trop d'argent. On va en mettre trop. Pour vous donner une idée, à la fin de l'année, lorsque va arriver BlizzCon l'an prochain, il va avoir eu environ 2 millions de dollars US distribués en price pool au courant de l'année complète. Le chiffre est astronomique. Ouais. Pour un card game, c'est débile. Mais Blizzard ont du cash. Yes. Pour voir leur nouveau jeu. Non. Non. Mais ça va être débile. Juste vous donner une idée, je me suis documenté vraiment beaucoup sur ce que va être le Championship Tour l'année prochaine et c'est vrai que c'est énorme. Le Championship Tour va être séparé en 4 saisons. What the fuck? Oh. J'ai pas le mien encore, faut que j'aille manger ces sabots. Le Championship Tour est énorme. 4 saisons. Il va y avoir la saison d'hiver qui est présentement en cours, qui se déroule de décembre à février. La saison de printemps qui va être du mois de mars au mois de mai. Il va y avoir la saison d'été qui est du mois de juin et juillet. Et ensuite, à partir de août jusqu'à novembre, c'est le début des World Championships qui se termine en novembre à BlizzCon. Ces quatre saisons-là vont être jouées dans 3 territoires différents. Les Amériques, l'Europe ainsi que l'Asie-Pacifique. C'est vraiment séparé comme ça. Et à chaque saison, il va y avoir un tournoi par région qui va donner un champion chaque. Donc, à la fin des saisons... À chaque saison, finalement, on va avoir un total de 3 champions par saison. Pour un total de 12. À ça, va s'ajouter... un quatrième champion par région qui va être choisi par un Last Call Invitational qui va avoir lieu en octobre. Ça fait 3... En fait, c'est 9, parce qu'il y a 3 régions, 3 saisons. Donc, 3, 6, 9, plus 1 de chaque, fait que ça fait 12. De là, on est rendu à 12. À ça, on rajoute 4 champions
qui va provenir de Chine. Parce que la Chine va, je ne sais pas trop pourquoi, évoluer d'une façon différente. Donc, les Chinois, eux autres, ils ont décidé de marcher de leur façon. Fait qu'on va avoir 16 personnes qui vont ensuite de ça participer aux World Champions pour se pour finalement se disputer le prize pool de 1 million de dollars. Ce qui est quand même débile. Puis ensuite de ça, par saison, il y a un montant de 100 000$ par saison, par région, qui est donné aussi. Fait que ça donne 1,9 million environ. C'était, je sais que c'était beaucoup d'informations à assimiler en même temps. Si vous avez des questions là-dessus, je vous le rappelle, inscrivez votre question dans le chat avec hashtag LSDC à la fin et je vais y répondre. Sinon, dernier sprint de nouvelles avant qu'on passe à nos chers collaborateurs, parce que je commence à être tanné de parler. C'est les nouvelles... C'est les nouvelles de League of Legends. Il y a beaucoup de nouvelles quand même dans League dernièrement. On va commencer... Faudrait bien que je sois à la bonne page. On va commencer avec la nouvelle qui a été un gros, gros, gros choc cette semaine pour beaucoup de monde. On parle d'un joueur qui a quitté une des plus grandes équipes en Europe. Salut King Crab, merci pour le follow. Excuse-moi, j'ai été parti dans mon Hearthstone. J'ai vu que tu as followé. Merci beaucoup et bienvenue dans l'équipe des sportifs du clavier. Merci de te saluer toi-même. Ouais. Ça nous évite la job. Donc oui, une grosse annonce cette semaine. Un joueur de l'équipe la plus primée en Europe, Fnatic. Le capitaine de cette équipe-là, le gars qui a resté dans l'équipe après les départs de Soaz et d'Expeke, Yellowstar quitte Fnatic. Donc, après le départ de Huni et de, mon Dieu, le jungler, son nom m'échappe, c'est, j'ai Easy Own dans la tête, mais c'est pas ça, pas en tout, c'est un coréen, ça. Mais, whatever. Voici ensuite le départ de Yellowstar. Je ne sais pas ce qui se passe chez Fnatic en ce moment, mais ça brasse. Rainover, merci Sinatraz. J'avais complètement oublié le nom, mais c'était Rainover, c'est ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe chez Fnatic, mais c'est pas drôle. Par contre, c'est le fun de dire que Yellowstar s'en vient en Amérique du Nord et vient rejoindre TSM. Il y a, je crois que c'est Vincent tantôt qui en a parlé. La botlane de TSM va être dégueulasse cette année. On parle de Yellowstar et Double Lift. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler, si ça va être la Yellow Lift ou la Double Star. Hey, Double Star, j'aime ça. Double Star, hein? Double Star, j'aime ça! Cette lane-là risque d'être assez bonne, mais il faut que les deux marchent bien ensemble. T'sais, ça va-tu être aussi bon qu'Afro, Mou et Double Lift? Je ne sais pas, mais... Gros, gros, gros potentiel chez TSM pour la botlane. C'est très drôle. Je trouve ça triste pour Kassing, par contre, parce que Kassing venait de signer avec TSM. C'était pour IEM, puis j'imagine que c'est un petit tryout en même temps, mais c'est plate pour lui. Mais il est retourné en Europe. Fait que merci Kassing pour tes grands services. TSM. Mais en fait, Sinatraz... Les joueurs sont majoritairement payés par Riot. C'est comme, pour être franc, j'ai pas tout suivi comment fonctionne ce côté-là, mais la majorité des joueurs, je sais que les joueurs ont un salaire qui vient de Riot Games. Je pense pas que c'est les organisations en tant que telles qui payent leurs joueurs, mais je m'avancerai pas trop là-dessus. C'est quelque chose, c'est un sujet que je voulais un petit peu plus expérimenter, mais me documenter au courant de notre petite saison de vacances. Mais effectivement, non, c'est pas beaucoup. Ben, 12 500, j'aimerais savoir ça, par exemple. Mes poches pour jouer à des jeux vidéo. J'aimerais vraiment ça. Mais les sponsors donnent beaucoup d'argent. G2A en donne. Twitch. Les joueurs sur Twitch là, font des sommes ridicules. Ouais, Dyrus, il stream seulement, puis avec le nombre de subs qu'il y a, c'est débile. Les pubs sur Twitch que ces joueurs-là se font, c'est le nombre est ridicule. Puis imaginez-vous, là, ils ont 100 000 viewers, fait
c'est clair que l'argent rentre de Twitch, puis de YouTube, puis des views qu'ils ont sur les vidéos, puis des sponsors, puis ces choses-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui vient aux joueurs des sports de ce côté-là. Pis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, d'ailleurs, qui regarde ces joueurs-là, puis qui se disent « Hey! Moi aussi, je vais aller faire du Twitch, je vais gagner de l'argent! » Non. Mais peut-être! Peut-être! Je te souhaite bonne chance, c'est difficile. Bonne chance. Vis ton rêve, parce que ça va être rough. Ben, c'est... tout le monde y a à des blocs aussi, fait que ça va un peu mal pour les annonces. Ouais, mais... C'est plus les donations puis les subs. Moi, personnellement, j'ai Adblock installé sur mon ordi, mais pour les streamers que je regarde, que j'aime beaucoup, moi, je l'enlève. Les streamers que j'aime beaucoup, j'enlève, je désactive mon Adblock, puis je le laisse aller. Parce que, justement, je sais que, comme Foxdrop, par exemple, Foxdrop est un streamer que je regarde beaucoup, et pour Foxdrop, je désactive mon adblock parce que je veux l'aider à continuer à faire ses vidéos puis à continuer d'être un streamer et un youtuber éducatif. Pardon, comme qui? Pour moi qui n'ai pas connaisseur de ça, c'est quoi un adblock? Adblock, en gros, c'est un logiciel, c'est un add-on que tu mets dans ton navigateur Chrome, par exemple, qui, quand il y a de la pub qui va jouer dans ton vidéo YouTube ou sur Twitch ou quelque chose de même, mais n'est plus. La pub ne joue plus, ça l'enlève toutes les pubs partout. Fait que même les pages aussi. Les pubs, ces pages web, ne plus. Adblock, right? Ouais. Veuillez prendre note que ce podcast n'est pas supporté par Adblock. Sinon, autre grosse nouvelle, celle-là aussi me fait rire un petit peu, c'est par rapport à CLG. Xmity revient dans la jungle pour CLG. Très bonne nouvelle. Xmity avait quand même été très bon l'année passée, pendant le split passé. Mais, je sais pas si vous vous rappelez. Lorsque Link a quitté CLG, il y a eu un gros chiard sur les médias sociaux. Link a vidé son linge, a vidé ses vidanges dans la rue, il a pris son linge sale, il l'a vidé sur tout le monde. Il a envoyé chier pratiquement tout le monde de l'organisation lorsqu'il a quitté le CLG. Et là, Link revient dans la mid lane pour CLG. OK. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de CLG qui ne sont plus les mêmes dans le temps qu'ils étaient là. Mais là, Link revient. Eh bien. OK. OK. Link, what the fuck? What the fuck? What the... Actual fuck. Je ne comprends pas. Non, Yuhi a quitté. Mais je ne comprends pas. La source, ben écoute, je peux te trouver ça, Sinaraz. Ça sera pas très long. Mais... J'ai vu passer ça, bâtard. Donne-moi 30 secondes, je vous retrouve la source. Ouais, comme il dit dans du geek pour les pubs, là, genre les sites web qui abusent en afficher des millions d'audience sur leur page, là, c'est sûr là, que je mettrais à des blocs. Ouais. Non, mais écoute, Snara, je vais essayer de retrouver ma source, mais je l'ai vu passer. Mais Link revient avec CLG. Xmity. Back. Ça a été annoncé sur le Daily Dot. Et normalement, le Daily Dot, c'est aussi eux qui avaient annoncé l'arrivée de Yellow Star dans TSM. Et le Daily Dot sont quand même habituellement assez bons dans ce qu'ils disent. Fait que moi, je leur fais confiance. L'annonce n'a pas encore été faite officiellement par CLG, mais il serait de retour. Je suis content. Personnellement, je suis content. Je comprends pas la décision, surtout après ce qu'il a fait, mais je suis content parce que Link était un excellent midlaner. J'adorais Link dans la midlane. Mais voilà. Et sinon, la dernière nouvelle que j'ai pour vous autres... Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Il y en a deux. Oh! On va faire... J'ai une petite vidéo à vous faire jouer. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines de ça, on vous avait parlé du nouveau skin de Tristana. Ah, pour vrai? Eh oui.
Dragon Trainer Tristana. Un des nouveaux skins, c'est quoi, légendaire, hein? Yep. Cook? Ouais. Legendary. Il est 1850. Mathieu, 50 rendu là. Ouais. 75 pour moi. Pas grand chose. Un méchant beau skin. Je sais pas si vous vous rappelez l'image que j'avais mis où on voit Tristana avec son dragon à côté d'elle, puis tous les dragons qui volaient en arrière, qui nous faisaient vraiment penser à How to Train Your Dragon. Ben, Riot ont release le skin aujourd'hui. Et je vous montre la vidéo qu'ils ont faite pour le lancement du skin. C'est vraiment cute. Regardez ça, c'est pas très long. Ce skin-là est vraiment, mais vraiment trop beau. Il est trop cute. Les animations sont très drôles. Quand le dragon, il crache d'en face, moi, je ris à chaque fois. c'est pas un skin de Teemo, ça? Sors. What? Sors. Ben, je sais pas, j'ai comme fait... Non, sors. Quand j'ai pas vu. OK, sors. Teemo, on l'a vu dans la vidéo, puis il meurt. La seule chose de bonne qui peut arriver à un Teemo est arrivée durant la vidéo, et Teemo est mort. OK. Tu joues pas. Calic. Ah, comment oses-tu prononcer le nom de Satan pendant un épisode des Sportifs du Clavier, Marc? J'ai déjà assez new de là. Bâtard! Chance! Marc nomme Teemo, le chat monte à 20 personnes. What the fuck? Salut tout le monde. Salut. Oui, donc voilà, ce skin-là est tellement beau. Cette vidéo-là m'a fait énormément rire, les petits clins d'œil. Quand as-tu... Les wards! Les wards sont cool. Mais quand as-tu... Azir, pis qu'elle dit « Oh look! Chicken flambé! » J'étais comme « Ah, oh, sacramance! » Voyons donc, ils ont tellement mis de clins d'œil dans ce skin-là, pis des quotes hilarantes. C'est clair que je vais me le pogner. Je ne joue pas Tristana non plus, je crois que c'est Chixie qui a dit ça. Ouais, effectivement. Moi non plus, je joue pas Tristana à tant que ça, mais c'est clair que je vais m'acheter ce skin-là. La dernière nouvelle que j'ai pour vous, en rapport à I Am Cologne, qui aura lieu la fin de semaine du 18 décembre. Le full line-up est enfin annoncé. Les dernières équipes qui étaient l'Europe ont été sélectionnées. Les votes sont rentrés. Je pense que les votes ont été comptabilisés aujourd'hui ou hier. Donc, je suis heureux de vous annoncer le full line-up pour I Am Cologne. Oh. Représentant l'Amérique du Nord, Cloud9 et Team Dignitas. Je suis vraiment content parce que c'est deux équipes avec un line-up presque complètement différent. Team Dig, on connaît pas encore leur line-up à 100%. Je crois que le nom de tous les joueurs n'avait pas encore été divulgué. Et Cloud9, j'ai hâte de voir si on va voir Bonifoufou ou Aïe dans le rôle de support.
Et j'ai vraiment hâte de voir Rush jouer dans la jungle pour C9 et voir comment que la synergie avec Incarnation va être. Maudit que j'ai out. Le fan de C9 en moi est super content. Pour répondre à la question, on va faire un retour justement à la question tantôt de Sinatraz qui nous demandait nos équipes préférées dans la NALCS et pourquoi. Pour ma part, écoute, ça paraît pas en ce moment parce que je ne porte rien, c'est C9. Je suis un fan invétéré de Cloud9. Je trippe sur cette équipe-là. Je vais avouer que au départ, C9, j'étais fan à cause de Meteos. J'ai adoré ce joueur-là, ce jungler-là, pour moi, est un dieu. Et j'ai adoré ce joueur-là, et à cause de ça, j'ai commencé à adorer l'équipe. Balls était excellent dans le temps, il est encore bon, mais il en a perdu un peu. Sneaky, mon dieu, que ce joueur-là a évolué pour devenir un carry, qui jouait des ADC un peu plus support style, pour devenir un carry qui est ridiculement trop bon. Puis c'est proche du meilleur au monde. Il a été pendant longtemps number one challenger NA. Et Lemon Nation était un support que j'adorais énormément aussi. Cook, pour toi, t'as-tu une équipe, malgré que t'en écoutais pas tant que ça du e-sport? Fait, c'est ça. Moi, je suis relativement nouveau de cette année pour l'e-sport. Fait que je connais pas tant les joueurs. Mais C9 a été mon coup de cœur de cette année dans les series par leur play qu'ils ont fait. Même s'ils sont fait torcher sur le deuxième round. Quand même, j'ai hâte de voir cette année. Marc, toi, je pense que tu n'en as pas écouté pantoute du League. Hein? Mais Marc, il n'y a pas d'équipe préférée. Marc, il aime Timo. Ils aiment toutes. Il est contre Dijon. Je viens de commencer. Là. Marc aime Timo. Ça veut tout dire. Sinon, représentant le EULCS, Fnatic et H2K, j'ai comme l'impression de revenir au Worlds. Ouais, à peu près ça, ouais, je sais pas comment Fnatic, quel line-up ils vont avoir, par contre, vu que trois joueurs sont plus là. Mais ça va être une nouvelle team, fait que ça se peut que ce soit plus ton favori l'année prochaine. Hein? Ils changent toute leur team, fait que ça se peut que. Ah ouais, non, mais c'est ça, je sais pas comment Fnatic, quoi ils vont avoir de l'air, c'est triste. La majorité des joueurs est plus là, mais quoi. On va voir. On va voir aussi si l'influence de leur coach avait vraiment une si grande importance que ça. Mais non, j'ai bien hâte de voir. Mais il y a des gros, ça m'étonnerait même pas qu'ils laissent leur spot, effectivement, Sinatraz, parce que avoir comme l'équipe est tellement plus pareille, ça va être. Ça risque d'être une autre équipe qui va les remplacer. Et sinon, H2K, on va voir. Je sais pas. Origin? Moi, ils m'ont surpris cette année. Origin? Origin ont gagné à IEM San Jose en plus. Là. Ils ont comme crissement bien joué pendant IEM San Jose. Il faut d'autres équipes. Hein? Puis, Chixi, TSM faisait partie d'IEM San Jose et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans IEM Cologne parce qu'ils ne peuvent pas participer à deux événements. Et effectivement, Dignitas remplace Liquid. Parlant de Liquid, en fait, ils ont benché, ils ont suspendu Kwass indéfiniment. Et aujourd'hui, Kwass est sorti publiquement pour dire qu'il fait des crises d'angoisse, de l'anxiété, des choses comme ça. Fait que je souhaite un très prompt rétablissement à Kwass, qui est un joueur de top lane incroyable. Sinon, les deux dernières équipes provenant de la Corée. Non, de la Chine. Et je m'excuse parce que mon chinois est loin d'être très bon. Il s'agit de Kyogre Reapers qui ont terminé, si je me trompe pas, troisième pendant les Regionals Finals en Chine et deuxième pendant les LPL Summer 2015. Donc, très bonne équipe, mais j'espère qu'ils vont avoir une meilleure prestance que ce que la Chine a fait pendant IEM San Jose et les Worlds, parce que ce n'était pas fameux. La Chine ne va pas bien en ce moment pour League of Legends. Mais bonne chance à Kyogre Reapers. Et finalement,
représentant la Corée, champion de la Kespa Cup 2015, Team Ever. Et là, dans le chat, si vous n'avez pas écouté la Kespa Cup, si vous connaissez la Corée pour les équipes telles SKT et CG Antus, en ce moment, dans votre cerveau, ça fait... Puis vous n'êtes pas trop sûr de savoir qui est Team Ever. Team Ever est une équipe Challenger de la Corée. Ouais, Challenger. Challenger. Pour vous donner une idée, ils sont champions de la Kespa Cup et personne ne les voyait champions de la Kespa Cup. En fait, Team Ever est comme l'équipe Cendrillon de la Kespa Cup. Team Ever a battu SKT T1 et en demi-finale et CJ Entus en finale. Ils ont battu SKT T1 2-0 et CJ Entus 3-0. C'était à n'y rien comprendre. C'était les premiers à réussir à enlever un best-of series dans des championnats comme ça à SKT. Puis SKT, c'est les champions des Worlds. Là, oui. Qui... What the fuck? Comme il dit King Crab, impossible. Impossible, non. Je ne comprends pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment, ils ont eu une run magique à la Kespa Cup. Si vous n'avez pas écouté la Kespa Cup, allez voir ça. Comme John Ron dit, effectivement, c'est les Blue Jackets de LOL. Mais si vous n'avez pas vu la Kespa Cup, allez voir les replays de Ever contre... SKT de Ever contre Sigentus, c'était vraiment hot. Donc, c'est ce qui met fin aux nouvelles de League of Legends. Et finalement, on va passer un petit hommage. Ben, je veux pas, on va le passer, mais j'aimerais ça remercier quelqu'un, en fait. Il nous regarde pas. il sait pas qu'on existe. Mais j'aimerais remercier Flash pour tout ce qu'il a fait pour les compétitions de StarCraft. Ce joueur-là, faisant partie de l'organisation KT Rollster, était le meilleur joueur de StarCraft. J'ai regardé dernièrement des best-of de ce gars-là, et c'était un joueur de Terran qui faisait... Il y avait un nombre d'OPM, je me rappelle plus de combien, mais ce gars-là est une brute. J'ai vu des choses qu'il a faites. Je pense que c'était contre Incarnation pendant le MLG 2013. Il a fait... Écoute, ce match-là, j'ai regardé le match au complet. C'était tellement beau. Son placement, son micro-management, son macro-play était débile. Donc, aujourd'hui, il y a quelques jours, Flash, la légende de StarCraft, a pris sa retraite. Et en tant qu'amateur de e-sport, je crois que on ne peut pas passer sous silence une retraite comme ça. Dyrus, c'était quelque chose, mais Flash... Il était rendu vieux, là. Oh, oui, puis, tu sais, comme Tridi, il en a perdu un peu dans StarCraft 2, mais dans Broad War, c'est une brute. Mais, encore une fois, Flash, un gros merci. Et comme je dis, tu nous écoutes pas, mais c'est pas grave. Somewhere, il y a quelqu'un qui pense à toi, puis... On te remercie pour tout ce que tu as apporté dans le monde du e-sport. Puis comment tu as rendu. T'as aidé à faire naître le e-sport de StarCraft et de continuer à le faire grandir et de d'étendre ça un peu partout. Donc, bonne retraite, Flash. Yes. Bonne retraite. Bonne retraite. Bonne retraite. All right. C'est là où est-ce que je me ferme la gueule. Hein? Oh. Attends, oh! Moi j'ai une nouvelle. Oh ben vas-y, quoi. Moi j'ai une nouvelle. Vas-y. Donc, la semaine passée, on a reçu le gentleman qui est venu nous parler du nouveau show qui va bientôt apparaître sur RDS2. Yes. Qui promouvoit LOL et le e-sport. Et cette semaine, pour ceux qui écoutent la radio, vous avez probablement entendu passer justement la pub. RDS... Il va y avoir aussi un show concernant le e-sport qui va s'appeler le Challenge Hockey RDS EA Sport. Dans le fond, les animateurs de ce show-là, c'est Tammy Verge et Philippe Labrise.
qui vont être, dans le fond, ceux qui vont animer le show. Cook, je te coupe la parole 30 secondes. Oui. Tu parles de Philippe Laprise. Je sais pas si vous avez vu l'annonce, l'annonce de télé pour le nouveau show de Philippe Laprise, son one-man show. Oh my God! Vous voyez juste quelqu'un qui glisse une glace sur tout le corps dans un habit de pompier, tu sais. Puis finalement, ça finit, puis tu vois juste le gros Laprise, genre en bedaine, avec sa glace dans les mains. C'est né dégueulasse, mais c'était tellement drôle. Je sais pas si vous avez aussi vu l'annonce du show de Philip Bound. Oh my God. Très drôle. Sur ce, revenons au sujet. Si vous avez pas vu l'annonce de Philip Bound, allez la voir. Ça vaut la peine. Ah, c'est vraiment bon, vous vous attendrez pas à ça, mais pas pantoute, mais on vous spoil pas. Allez voir. Ouais. Après le show. À mon sujet. Donc, je parlais de Challenge Hockey RDS EA Sport. Concept du show. Ils prennent des joueurs de hockey. Des vrais joueurs de hockey qui parlent le français. Et... Ouais, ok, t'es éveillé. C'est pas grave, c'était fort. Mais c'est bon. Donc, ces joueurs-là vont jouer au hockey sur des consoles, je crois. Je peux pas dire si c'était des PC ou Xbox ou quelle console, là, mais ils vont jouer dans le fond au jeu EA Sport Hockey. Ils vont c'est NHL 2016 en fait. Ah, merci. Je l'aime. Tammy Verge, Philippe Laprise sont les animateurs qui vont gérer, qui vont commenter ce show-là. Il va aussi avoir Daniel Savoie, alias Patrice Lemieux, qui va être le joueur analyste. Il va s'occuper dans le fond de... interviewer les joueurs et de faire les commentaires. Ça va être cave. Oui, ça va être exceptionnellement bon. Il va y avoir aussi le chroniqueur Frédéric Bastien-Forêt qui va piloter comme... qui va, dans le fond, poser des questions aux joueurs sur des quiz qui annoncent, dans le fond, sur des zones d'inconfort ou des questions cocasses par rapport au jeu. Ça va être cool. Et, pardon... je liste ici des joueurs qui vont participer à ce show-là. Je ne les nommerai pas toutes, parce qu'il y en a une bonne, mais je vais toutes vous les linker dans le chat. Mais juste pour vous donner comme quelques exemples, il y a David Desharnais, Simon Després, Cédric Paquette. Fait qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de partout. La clique des Québécois. Yep. Yes. Ça risque d'être un show très intéressant à regarder. Ça va être drôle. Oui, ça risque d'être très drôle. Quand même très... Surtout que là, ça va être sur RDS, non pas comme un de ses sous-postes. Ouais. Ben, bon, ça risque d'être plus accessible. Ouais, le style de show est différent aussi. Oui, ben oui, c'est sûr. Yeah, ouais. Il va y avoir un aspect plus cocasse que le show du Gingerman, mais comme tu dis, dans le fond, sur un autre aspect qui va être. Exact. Puis pour justement, t'en as parlé, fait qu'aussi bien faire un rappel. Ne manquez pas à partir du 7 décembre, pour toute la semaine du 7 décembre, du lundi au vendredi, à 17h30 sur RDS2. Le lundi, mercredi et vendredi, ça va être du League of Legends. Le mardi et le jeudi, ça va être du StarCraft 2. En gros, ils vous présentent le ECWS 2015. Le show dure une heure. Pendant 35 minutes, ça va être une partie. Ils vont présenter du gameplay en accéléré, les meilleurs moments de la journée qui vont être commentés. Les games de LoL vont être commentés par Gentleman et Firefox. Les games de StarCraft, je ne me rappelle malheureusement plus des noms des commentateurs, mais je sais qu'il y a un des gars qui fait partie du Nexus Smart Bar. Mon Dieu, je me rappelle plus de son nom. Mais... En tout cas, allez voir ça. Donc, du lundi au vendredi à partir du 7 décembre à 17h30, 5h30. Donc, regardez ça. C'est très important qu'on soit énormément beaucoup à regarder ça sur notre télé. On veut du e-sport à la télé, c'est le temps. C'est RDS. Même si vous n'avez pas le temps à regarder, juste laissez votre TV ouverte. TV ouverte. Enregistrez-les sur Illico au pire. Ça compte comme une cote d'écoute. Allez le voir sur YouTube. Non, mais faut le voir live. Ça donne de la cote d'écoute. Si vous l'enregistrez sur Illico ou sur Bell ou whatever ce que vous utilisez à la maison, ça compte comme de la cote d'écoute. Et si on en veut à la télé, faut que les cotes d'écoute soient là. C'est un projet pilote. Si ça marche, ça va revenir. Fait qu'il faut y aller. C'est important. Yes. Sans plus attendre, dirigeons-nous. Protégez-vous. Cachez-vous en arrière de quelque part parce que Marco est reconnu pour ses headshots.
puis on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. La MLG avec Marco. Alright, Marco, tu nous voulais nous parler un peu... en premier, je pense que tu voulais nous parler d'une très grosse mauvaise nouvelle dans le monde de Smash. Oui, je vais commencer par ça parce que c'était une grosse nouvelle cette semaine. Ça fait un peu mal parce que même il y avait une grosse communauté. Je vais vous parler si vous connaissez le populaire mode Super Smash Bros. Project M, évidemment, lundi, je pense que c'était lundi, Project M et RIP est mort à cause, je sais pas si c'est à cause que il y a eu beaucoup de rapport avec Nintendo, mais oui, évidemment c'est la mort de Project M. C'est plate parce qu'on en parlait la semaine passée en plus un peu de Project M avec la sortie de comment ça s'appelait 20XX Tournament Edition. C'est les mêmes auteurs qui a fait Project M en fait. Ah pour vrai? Ouais, c'est les mêmes auteurs. C'est juste que comme j'ai pu voir sur les subreddits cette semaine. La cause est quand même inexacte parce que, sur le site, il nous a déjà déclaré que c'est l'arrêt du développement et que Project M 3.6, qui est la version en ce moment, va être la toute dernière version qui va se passer et qu'il n'y aura plus d'autres. Fait que, vraiment, pour une version qui est quand même en développement de 3.6, puis, il nous a déjà, je sais pas si vous avez déjà vu sur Twitter, dans le Twitter officiel de Project M, ils ont déjà annoncé pour le 4.0. Fait que, eux autres, ils ont genre fermé ça, mais ils voulaient en faire une autre version. Fait que, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais comme que j'ai vu dans un article, pourquoi qu'il y a des raisons que... les développeurs de chez Project M ont disparu la team et qui voulaient tout lâcher, c'était sans disemblement la motivation. Pourquoi ça? Parce que qu'est-ce qui a pu arriver, c'est que dans le temps où on avait le 3.0 ou le 3.5, la motivation de la team n'était pas là. Parce que on avait annoncé le 3.5 au moins un petit peu plus tard, je pense en fin de 2014, je crois. Ça fait un petit peu longtemps, en fait. Ils ont fait une annonce, mais ça fait 2-3 fois qu'ils essayent de report la date. Fait que, là, le monde, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que là, ben là, on attend trop longtemps, là. Faudrait qu'ils sortent, là. Mais c'est parce que la team, le développement de la team, c'était pas... Il y avait qui quittait, puis là, il fallait qu'ils en chargent d'autres mondes. Fait que là... C'est là qui peut-être aussi la cause que Project M a pu fermer. Mais, comme j'ai pu voir, Jego, que c'est peut-être à cause de Nintendo, il aurait menacé une grosse poursuite. En fait, c'était plus pour la compétition, moi je te dirais. Mais aussi pour les caractéristiques des bonhommes aussi. Puis pour les mises à jour. Mais avant. Nintendo l'avait déjà il avait déjà dit à les développeurs que vous ne devez pas faire en sorte que votre jeu soit dans des gros tournois comme dans EVOS ou Apex, que c'est les deux gros tournois de Smash Bros. Quand même assez populaires dans le monde. Ouais. Fait que là, Project M, ben il faut qu'il se ramasse à une autre alternative. Ils pouvaient quand même hoster le jeu sous des gros tournois-là. C'est qu'ils ne pouvaient pas streamer sur Twitch. Parce que, pour des raisons à cause de Nintendo, en fait. Fait que là, il fallait qu'ils streament ça sur Hitbox. Ouais. Ça, c'était une autre alternative. Fait que Nintendo pouvait vraiment, vraiment pas dire « Non, vous ne pouvez pas streamer sur Hitbox. » Non, ils n'ont aucun droit de dire ça. Fait que même à ça que Hitbox, c'est quand même une plateforme de stream. C'était pas assez popularisé encore. Mais je sais pas si c'est vraiment popularisé, là, Hitbox, mais moi j'écoute toujours Twitch.
Mais, ouais. Fait que, je sais pas. C'est quand même mystérieux, quand même, pour une team que ça fait 6 ans de vie que ce mode-là fait. Puis déjà, que c'est déjà la dernière version, c'est la 3.6 en ce moment, puis qu'ils voulaient faire une autre version, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous autres, les boys, qu'est-ce que vous en pensez de ça, que Project M, il aurait pu peut-être fermer ça autrement. Ben, moi, je serais pas surpris qu'il y ait des histoires de cours en arrière de ça. Là. C'est probablement qu'il doit avoir eu des injonctions ou quelque chose. Mais parce que c'est ça, comme Nintendo, ils voulaient récemment poursuivre en cours, mais ils ont dit « Ah, OK, on va pas vous poursuivre en cours, mais bien pour la compétition, on va pas vous laisser entrer dans Apex, puis dans EVOS, puis dans d'autres qui sont sponsorisés dans Nintendo. » Moi, je suis sûr qu'il y a eu de quoi en arrière. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à la porte close, parce que, comme Jet Go dit, là, pour que du jour au lendemain, ça fasse comme... Ben, c'est ça, en enlevant les liens de téléchargement, c'est bizarre. C'est sûr qu'il y a eu, il y a eu quelque chose. C'est clair que Nintendo ont fait comme « fuck off, vous arrêtez votre projet, puis ça finit là », puis que les gens ont fait comme « ok, bye, poum ». Faut qu'il y ait eu une... Nintendo vient cogner à ta porte et dire « hey, salut, j'aimerais ça que tu arrêtes ton projet, sinon on se revoit encore ». Mais en plus, c'est un projet qui coûte pas rien, là. C'est gratuit dans la communauté. Ouais, je sais bien, mais... C'est pas une question d'argent à rien, là. Pourquoi que Nintendo voudrait faire du mal à Project M Developers pour que ce projet est gratuit? Nintendo prend les meilleures décisions comme concernant ces jeux. C'est vrai, c'est un hack. C'est vrai, c'est un hack mods. Fait qu'eux autres, ils disent, ben là, vous volez les idées de nous autres. Fait que, tu sais, c'est quand même... ouais. C'est quand même quelque chose, mais bon. Ah, c'est clair. C'est pour ceux qui voulaient l'avoir, Project M en ce moment, là, pour ceux qui voulaient se planer peut-être installer, ben, le site est fermé, malheureusement, mais il y a des archives. Si vous trouvez ça sur Google, vous allez avoir tout plein d'archives pareilles. Fort probablement. Il y a JM Gendron qui vient de poser une question sur le chat. Heureusement, je l'ai vu parce que Gendron n'a pas utilisé le hashtag LSDC à la fin de sa question pour qu'on puisse l'avoir dans le bot. Mais il demande quelle est notre prédiction pour les Game Awards qui ont lieu ce soir pour le jeu eSports de l'année. Fait que les gars, je vais vous poser la question en vous donnant les six nominés. Ben, je vais aller checker ça. Ben, je vais vous les dire direct live là. Donc, dans la catégorie Game of the Year eSports, les nominés sont Call of Duty Advanced Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Hearthstone et League of Legends. D'après vous, messieurs, qui sera le grand vainqueur de cette catégorie-là? C'est quand même assez... League of Legends! League of Legends, moi, mec. Moi aussi, je vais y aller avec quand, League. Quand j'étais un grand fan de FPS, malheureusement, je ne prendrais pas CSGO et COD. Moi, je prendrais, je pense, League of Legends encore une fois cette année avec les Worlds et les LCS. Vraiment, je pense que League of Legends prend encore sa place. Moi, je vais y aller avec League aussi. Runner-up, je pense que ça va être soit CSGO ou Dota 2. Ouais. Mais je pense que League va l'emporter. Pour moi, deuxième choix, ce serait CSGO aussi. Ça serait CSGO. Pourquoi je dis pas COD? Ben, c'est quand même dur, mais ils sont encore très loin pour que ça soit un jeu quand même pour un grand, grand, grand jeu du e-sport. Tu sais, je sais pas. Moi, ça serait plus encore CSGO. Ouais, mais comme Gendron dit, c'est vraiment fanbase. Il y en a qui écoutent de tout, puis il y en a qui écoutent juste quelques trucs, mais ça risque d'être très serré. Mais. Salut GenUnit, je vais en profiter en même temps pour dire un grand merci à The Notorious 8 de nous avoir followé. Merci énormément. Merci. Bienvenue dans l'équipe des sportifs du clavier, cher ami. Et je vais en profiter pour dire encore une fois un peu, faire un petit bonjour aux gens du chat. Salut à Chixie que j'ai vu passer tantôt, je sais pas si t'es encore avec nous, mais salut à toi. Hein? Et salut à toutes les autres que j'ai déjà nommés dans le passé, qui sont encore avec nous. Salut à Xeno023 aussi que j'ai vu passer. Donc, salut! Salut! Sinon, Marc, en fin de semaine, je pense qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient dans le monde de code.
Ouais, mais c'est le code de Whirling Pro Division Qualifier Invitational Tournament. Tain, j'ai lu. Et on va te redemander, on va pas te demander de dire ça vite trois fois parce que tu seras pas capable, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, le tournoi, sur invitation seulement, pour le prochain ligne mondiale de Call of Duty, la division pro, en fait, pour le Channel Division, on va passer encore de côté, en fait. Je vais vous nommer rapidement pour les trois continents officiels, en fait, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie, Nouvelle-Zélande. Ça va être qui les teams qui vont se combattre pour avoir des places pour la saison 1 pour le code Whirling. Alors, je vais vous le dire ça rapidement. Pour l'Amérique du Nord, on a quatre groupes. Alors, pour le groupe A, on va avoir Apotheon Esports, Ignima 6 Go, Optic Gaming et Team Orbit. Optic Gaming. Pour le groupe B, il va y avoir Trees Up Entertainment, Numerosity Gaming, Rise Nation, en fait, que ce team-là a gagné le premier tournoi sur Invitation, je pense, ça fait 2-3 semaines passées. Et Team Elevate. Optic Hype dans le chat! Optic Hype! Alors, je vois qu'il y a quand même des. Comme Rolex Gaming, c'est un, je crois, un fan de Optic. C'est cool. Oh. Ah, cool. Pour le groupe C, Dream Team, Team Envious, Team Caliber et un team, en fait, no name, mais ça a été. Placé pour fait par Activision, c'est Methods Team, que ça s'appelle. En fait, c'est le nom d'un joueur professionnel, mais c'est le capitaine, en fait, pour ce team-là. Pour le groupe, le dernier groupe, le groupe D, Complexity Gaming, FaZe, puis deux no-name teams, mais en fait, c'est Merc Team et Tipsy Team. Pour l'Europe, Il y a quand même un gros pool de teams en Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Nord, là, il y a un gros. Il y a quatre groupes quand même avec 4, 8, 12, 16. 16 équipes, oui. Quand même gros. Et Zero Lag Gaming, en fait, il n'y a pas de team française parce que c'était juste l'Amérique du Nord. On s'en vient. Ouais. On traverse l'Atlantique. Ouais. À la nage. On arrive en Europe. Oh, man. Mais oui, on arrive en Europe, il va y avoir deux groupes. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir 8 teams au complet qui vont s'affronter en fin de semaine. Alors, je vais le nommer le groupe A. Ça va être Epsilon Esports, Giants Gaming. Je crois que c'est un français, un team français, mais je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment sûr. Team Infuse et Team Vitality. Ça, c'est une team française. Si vous connaissez Gotaga, c'est un des meilleurs joueurs français de code. Il est dedans. Pour le dernier, le groupe B, ça va être Fab Games, pour ceux qui connaissent, je crois, Millennium, Team Orbit, et un team non-name, en fait, c'est un Josh Team. Et le dernier, l'Australie, Nouvelle-Zélande, il y a deux groupes. Ça, il va pas en âge parce que c'est long en te parler. Non, ça, c'est un peu trop long. Pour le groupe A, il va y avoir RVDT Gaming, Citadel Gaming, Originals et Prentonic Mindfreak. Pour le groupe B, il y a le même nom de team, c'est Prentonic, mais NV. Fait que je sais pas si NV ont acquis un deuxième team code, mais bon, ok. C'est bizarre. Sway Gaming, 10-10 de Minds et Team Illuminity. Fait que c'est ça pour les deux groupes pour la Nouvelle-Zélande et Australie. Et en fait, c'est ça qui va marcher. Ça va être toutes des best of five series. Alors, tous les matchs en fin de semaine, ça va être toutes des best of five. Toutes les teams, ils ont deux games à jouer. Ils ont deux games à jouer. Pour ceux qui avancent, si la team gagne 2-0 dans leur pool, vont s'avancer pour la ligue. Et pour celles pour le 2-1 aussi, ils peuvent s'avancer pour la ligne. Pour celles qui vont être éliminées, c'est celles qui détiennent qui vont avoir 0-2 et celles qui vont avoir 1-2. Éventuellement, plus sont toutes 16 teams pour Nord-Amérique puis les autres pour les 8 teams. Et pour les restrictions, pour les règles restrictions de tous les armes, atouts, tout ça, il n'y a pas grand-chose, il y a juste 4. Il y a juste 4 restrictions. C'est UAV, Care Package, HATR, c'est un Score Streak en fait, et XM53, c'est un Rocket Launcher. Mais pour les autres, c'est
Tout est permis. Alors, tout est permis. Fait que si vous avez vu, si vous voyez des Six Sense, Awareness, des armes OP, Attends, il enlève pas le Gorgon? Non. Holy shit! Et voilà, c'est ça qui me fait un peu déçu de ça, c'est que c'est du work in progress qu'ils ont dit pendant 2 semaines avant, mais c'est juste ces 4 restrictions-là en ce moment. Fait que demain, là, ouais. si vous voyez là, du 4v4 avec plein de shit, tellement je trouve pis, mais c'est ça que ça va donner. Malheureusement, j'étais vraiment déçu qu'ils n'ont pas restrict. Hey, surtout le Gorgon. T'es mort. Si vous avez vu le Gorgon, je vous conseille d'aller voir sur YouTube parce que c'est tellement OP. Puis en plus de ça, ils l'ont buffé pour des raisons. Je ne sais pas pourquoi. Ils l'ont buffé? Oui, ils l'ont buffé. Écoute, juste vous donner une idée. Je suis une grosse merde à COD. Mais avec le Gorgon. Avec le Gorgon, je suis bon. Ben, pour des raisons, parce que c'est OP. C'est, je veux dire. Ben, écoute, merci beaucoup, Marc. Est-ce que c'est tout pour toi? Ben, je pourrais te dire juste un, rapidement? Non. Juste un peu. Non. Ben, ouais! Oui, vas-y. Oh. Bon, là, j'ai une imagination. Bon. Bloopers! Que RIP émergé encore une fois. Oui. En fait, un des producteurs, executive producteur, en fait, en anglais, qui s'appelle MLG Pocket, c'est un des commentateurs e-sport de code avant. Si vous en connaissez, ça fait au moins beaucoup, beaucoup d'années qu'il avait commenté des games de code et qui a resté chez MLG d'ailleurs. Il a quitté MLG pour aller chez Activision Blizzard, oui, avec. Oh boy! It's ouais, encore que. Mais ben, j'ai bien gros l'impression que c'est Activision Blizzard qui sont en train de tout rapatrier ce qu'ils veulent pour code, pour enlever ça de la MLG. Puis la MLG, c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés chercher du CSGO d'ailleurs pour avoir un autre public. Ouais, c'est vrai. Puis, ouais, non, c'est des gros changements, c'est vrai, mais faut s'y attendre. Ah, ça c'est clair. Faut s'y attendre, mais bon. Alright, mais c'est tout pour ma session de MLG avec Marco. Excellent, merci Marco. Et sans plus tarder, on met notre masque à gaz, on met nos petites bottes anti-produits chimiques, on rouvre la porte, puis on rentre dans le lab avec Cook. Dans le lab avec... Cook Lightning. Alright, Cook. Yeah. De quoi tu veux nous parler en premier? Il n'y a pas tant de choses, tristement, encore cette semaine. Une petite semaine. J'ai fait une remarque, faut quand même pas s'attendre à grand-chose à quelques semaines de Noël. Ouais. Les jeux, ils sont tous sur le projet de Noël, right? Ça arrive. Donc, je vais commencer par vous parler du nouveau champion. De? Qui a été annoncé sur Paladin. Ah, OK. Il n'y en a pas, certains d'entre vous qui n'ont pas encore accès, mais pour ceux qui ont accès... D'ailleurs, parlant de Paladin... À la fin du show, on vous donne une clé. Fait que c'est le temps. Si vous avez des amis, de partager, si vous avez des amis qui veulent jouer, c'est le temps de partager le lien du Twitch parce que on va donner une clé à la fin du show. Fait que go. Puis on n'a pas eu le 30 viewers, fait que je prendrai pas une cuillerée de sirop de Buckley. Mais partagez le lien parce que ça serait le fun de donner une autre clé de Paladin aujourd'hui. Fait que go. Comme on le voit à l'écran, la patch 0.8 fait place à la petite nouvelle champion, juste que qui s'appelle Evie de Winter Witch. Je t'avoue que j'aime bien ce champion-là. C'est pas une grosse DPS, mais dans ses habilités, sa première habilité, en fait, qui est, dans le fond, son tir, qui est son blaster, fait que quand elle tire, ça fait des explosions d'area. Dans le fond, ce qui reste d'être excellent pour du capture de points, des choses comme ça, puisqu'elle va affecter plusieurs personnes en même temps. Ses spells, il y en a un qui est dans le fond qui est une illusion qu'elle va faire un copycat d'elle-même. Et j'ai vu les animations de ça, c'est très le fun. C'est pas un clone qui est statique, c'est un clone qui se promène. Je crois avoir vu que
il était assez intelligent pour aller se cacher, comme pour faker comme si c'était vous-même qui essayait d'aller avoir du cover. Ce qui est très hâte, parce qu'habituellement, des choses comme ça, le clone, je le trouve tout le temps un peu stupide. Ouais. Ça semble être quand même assez prometteur. Sa deuxième habilité, c'est un blink. Donc, c'est juste, elle va blinker en avant de où ce que vous regardez. Et sa troisième, qui est un sword, c'est dans le fond qu'elle embarque sur son staff, qui va lui donner un bonus de movement speed. Je vais t'avouer, Cook, j'en avais pas parlé avant. Mais... avant que la bêta commence de Paladin, j'ai eu la chance de jouer au jeu avec parce que j'ai été invité par l'équipe d'IRES. J'avais un compte, ce qu'ils appellent Friends and Family, et j'ai pu jouer un petit peu au jeu, et le champion Eevee était disponible. Ah ouais? Et elle est quand même très plaisante à jouer. Ben, en fait, je vois G-Unit dit un autre Nova. J'ai pas l'impression que ça, le gameplay est tant pas similaire à Nova, parce que ce champion-là a pas de burst. Elle a juste du escape ou du movement speed. Elle a rien pour faire plus de dégâts que les autres champions. Fait que je suis persuadé, en fait, que ce sera vraiment pas la même chose que Nova. Non, le gameplay est vraiment pas pareil. Ouais, je trouve que c'est vraiment comme un support champion qui est là pour disrupt le field, genre déranger le monde, peut être annoying. Puis dans le fond, jamais mourir, parce qu'elle a tellement du escape. Ouais. Eh bien, elle est très squishy, par contre. Vraiment squish. Là. Ça se fait pogner, elle résiste pas beaucoup. Ouais, non. Mais ben, quand tu désengages qu'elle a pour éviter des choses, c'est un peu normal. Mais elle est vraiment le fun. Par contre, elle est vraiment le fun. La seule affaire, là, c'est qu'il commence à avoir beaucoup d'invisible. Sky, elle sera invisible. Ben, elle sera invisible. Non, elle, c'est des clones, c'est vrai. Exact. Elle sera pas invisible. Elle, c'est des clones. C'est juste un clone d'elle-même. Fait qu'elle elle joue pas dans l'invisible. Non, c'est vrai. Mais elle est vraiment le fun à jouer. Pour l'avoir essayé, elle est vraiment, vraiment le fun. Sinon, dans cette patch-là, ils ont réarrangé les decks de cartes. Pour ceux qui ont joué, à chaque fois que vous montez de niveau, vous gagnez des cartes que vous pouvez choisir de tout un temps de trois. Donc, ils ont réarrangé les decks, rebalancé les rangs des cartes des épiques qui étaient tellement pas bonnes qu'ils ont droppé en commune, puis vice-versa. Ils ont marqué que dans leur jeu, la vitesse du jeu était comme trop rapide pour l'XP que les joueurs gagnaient. Fait que c'était difficile de se rendre au niveau, pas max, mais le niveau où on gagne la carte légendaire de votre personnage, c'est une grosse carte. C'est le niveau 5, je pense, hein? Ouais, c'est le niveau 5. Donc maintenant, ils ont ajusté ça pour que entre 5 à 7 minutes, vous topez votre niveau 5. T'as-tu topez entendu? Pas en niveau, parce que vous pouvez continuer à leveler et à choisir d'autres cartes par après, mais votre carte légendaire que vous gagnez automatiquement à niveau 5 va vous être attribuée maintenant entre 5 et 7 minutes. T'as-tu entendu ça, G-Unit? C'est niveau 5 en 5 ou 7 minutes. Yes, moi j'ai pas remarqué, en fait, j'ai pas assez joué pour remarquer c'était à combien de temps avant, mais je sais que je l'ai jamais atteint. Ça prenait quand même un bon 10, 15, peut-être 15 minutes là, à avoir ton niveau 5. Là. Même des fois, tu finissais une game et t'avais même pas ton niveau 5. Ouais, non, c'est ça. Puis, dans les commentaires que les gens ont émis de la compagnie, ils disent que justement, ils veulent que maintenant, quand tu joues ta game, t'as au moins la satisfaction d'avoir choisir ta carte légende. Yes. Vraiment des bons changements. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans le game. Sinon, tu vois, ça couvre tout ce que j'avais à dire cette semaine. Oh! C'est pas vrai. Oui. Non. Ah non, oui. C'est parce que les autres, j'en parlerai pas. C'est juste à vous montrer, dans le fond, les nouveaux skins de League of Legends de Snowday. Ils sont tellement beaux. Regardez ce magnifique petit pingouin à l'avant de votre écran. N'est-il pas merveilleusement cute? Oh, les pingouins! Les pingouins. Les pingouins. Je ne pense pas me procurer les pingouins. Cook, arrête! Tu mets le ward, puis le petit pingouin arrive en ski, puis il fait comme... Peut-être aller chercher les dragons, mais... Les pingouins, Cook! Non! God! Donc, vous... Est-ce que les pingouins, Cook! Non, on s'en fout! Les pingouins! Pingouins! Tu n'auras jamais ça comme skin ward, sauf si je reçois un cadeau.
C'est ça qui va arriver. Il y a personne qui va acheter ça pour demain. À part... Moi, je vais l'acheter, le pingouin! OK? T'es bien serveur! Bon, ben, c'est tout ce qui conclut le segment de Cook. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les PBE et ces choses-là, et vous voulez tester des trucs pour les sportifs du clavier, une opportunité vient tout simplement de s'ouvrir comme ça. Donc, pour rapper ces fameux skins-là. Donc, c'est Gnar, que vous voyez qui est directement en avant, Bard et Cinder. En arrière du pingouin. Pardon? En arrière du pingouin. À côté du pingouin. Ouais. À côté. Bard qui tient un pingouin. Yes. Je suis juste content que Tindra lance pas des pingouins. Ah, oh, ça aurait été merveilleux que Garage un pingouin d'en face. Ça aurait été horrible. Mais son recall, le recall à Syndra inclut pas des pingouins. Ah, je t'avoue, je sais pas, j'ai pas regardé. Attends, je vais aller voir. T'as des Timo? Ah, ta gueule, Timo! Bard aussi a une animation dans son recall, parce que puisque Syndra et Bard seront les seuls skins qui vont être à 1350, Gnar va être à 975. Et pendant cette période-là, ils vont aussi ramener les anciens skins de Malzahar et de Singe et Zig. Pardon, excusez, pardon. Mon Dieu. T'as toussé. Donc voilà. Oh, il y a aussi disponible des icônes divers. Donc, ouais, genre. Fameux Poro et Minion. Et Pingouin. Pingouin. Mais non, mais regarde-les. Il va être content, il va y avoir plein d'icônes de pingouins. Yes, il y en a plein. En plus, c'est vrai qu'il y en a plein. Ouais, il y en a, non, en fait, il y en a trois, puis il y en a un qui va être un bonhomme de neige. Le pire, c'est que chez nous, dans mon couple, c'est ma blonde qui tripe pingouin. Mais je ne sais pas pourquoi ceux-là sont tout petits, tout petits. Imagine un pingouin à côté d'un poro. Ah. Ben écoute, au moins bonne nouvelle, le show va se terminer là-dessus. Effectivement. Ah, faut pas, je ris. Ok. Merci, Cook. C'est tout. Je vais laisser la chose là. Il y a Jeet qui a fait mention du vidéo de Tristana. Je sais pas si c'est le vidéo qu'on a présenté un petit peu plus tôt dans le show aujourd'hui, mais effectivement, le vidéo. Je pense que Jeet est arrivé en retard. Mais le vidéo de Tristana est effectivement très, 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 très cute. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt aujourd'hui, la semaine prochaine va être le dernier show de la saison. De la saison, de l'année 2015. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été parmi nous pendant toutes ça va être le 13e show la semaine passée. Oh, le 13. Nice, le 13! Donc, oui. À partir de 2016, je vous avertis tout de suite, mais on fait un changement d'horaire. On va faire le show. On va commencer le show à 7 heures à la place de le commencer à 8 heures. Comme ça, on est un petit peu plus tôt. On commence un peu plus tôt et on va être capable de pouvoir... excusez. On va être capable de... On va chevaucher un peu Radio Talbot au début, mais on essaie de voir si commencer plus de bonne heure va quand même peut-être nous amener un petit peu plus de viewership. Ensuite de ça, à partir de l'année prochaine, on va commencer à avoir, à la fin du stream, des community days, si on veut, des journées communautés, où on essaie de faire grandir la communauté des sportifs du clavier, comme vous avez vu dans le Patreon. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre page Patreon. On a reçu, un petit peu plus tôt aujourd'hui, rentrée de Patreon, fait que c'est un gros merci. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous supportent sur Patreon, ça nous aide une grande aide. Donc voilà, vous pouvez aussi aller nous visiter sur nos différents réseaux sociaux. Oh, c'est pas ça. C'est ça le bon? Oui. Nos différents réseaux sociaux, notre page Facebook et notre page YouTube, et vous pouvez aller visiter le site web des sportifs du clavier. Tout ça, juste pour clarifier, parce que M. Djeko qui dit on prend plus de temps pour jaser. En fait, oui, le fait qu'on commence plus tôt,
nous, notre show, oui, va finir plus tôt, donc ça devrait finir autour de 8h30. Ouais. Sauf que pour nous autres, après ça, ça va nous donner le temps de passer justement du temps avec les gens qui vont regarder, qui vont vouloir venir jouer avec nous autres. Exactement. On va jouer à des jeux. On va jouer à Heroes, on va jouer à League, on va jouer à plein de jeux, en fait. Je vais essayer de trouver des jeux qui sont pas trop chers, qu'on peut jouer en gang. Le but, ça va être vraiment d'avoir du fun avec nos viewers, avoir du fun avec vous autres. C'est grâce à vous qu'on fait ça. Nous autres, on a du fun à le faire, mais c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour que vous ayez du fun à nous regarder. Le lien du Patreon, oui, JetGo, il est sur le site officiel. Il est juste au-dessus des épisodes, en fait. C'est pour vous qu'on fait ça. J'ai reçu aujourd'hui sur Facebook, en fait, un message venant d'une personne dont je vais garder l'anonymat, qui nous écoute pratiquement à chaque semaine, qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'il respecte notre podcast énormément, puis qu'on fait une super belle job, puis qu'il nous écoute à chaque semaine, puis qu'il a hâte à chaque jeudi de venir nous écouter. Si t'es dans le chat, mister, puis que tu te reconnais, merci beaucoup. Je te l'ai dit sur Facebook, mais là, je le redis live sur le podcast. Un gros merci à toi. Les messages comme ça, j'ai reçu des messages sur YouTube, des commentaires. Ça nous fait énormément plaisir de lire ça, parce qu'on fait ça pour vous autres. On veut votre feedback. Continuez. On fait ça pour nous autres. On fait ça parce qu'on a. Ça. Ouais. Moi, on a du fun à le faire, mais tu sais, on veut que vous aimiez ça. On veut que vous soyez avec nous autres. Puis votre support que vous nous donnez à chaque semaine nous drive à continuer. Puis merci beaucoup, 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 beaucoup. Je vais faire attention parce que je vais commencer à devenir émotionnel. Mais cesse de blabla. C'est l'heure de faire le tirage. Donc, le gagnant de la clé de Paladin cette semaine. Si mon bot peut bien décider de se réveiller. Pardon. Don't forget to be awesome. Comment? Merci, Mr. Jekyll. Comment? Yes. Don't forget to be awesome, effectivement. Donc, si mon bot peut juste se réveiller. Ouais, si jamais vous avez des suggestions, vous avez des informations, des fois que même nous, on ne voit pas, soit vous pouvez venir les écrire vous-même dans le chat. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je trouve ça vraiment le fun. Ou juste. Vous pouvez aussi nous les envoyer via Facebook pour qu'on en parle, nous autres même. Ben oui. Si on se prépare d'avance, on est capable d'aller chercher des informations. Mais c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment le fun que vous impliquiez autant que ça dans le chat. C'est le fun. Merci. Oui, effectivement. Donc, le gagnant... Oh, G-Unit. Bon, ben, G-Unit joue déjà au jeu. Fait que on va tirer une nouvelle clé. Donc, le gagnant de la clé est nul autre que... Non. Damn. Fuck. Je vais faire en sorte que le bot l'affiche, mais. Ben, Marc, je vais la donner à un viewer. Damn, that bot, guys! Oh, le bot me troll. Why you do this, bot? Why you do this? Calice. Donc. Non, inquiétez-vous pas, les viewers. Je vais les laisser un à. Oh my god! Hey, ça, je suis content par contre. Le gagnant, Vincent, qui disait qu'il cherchait un jeu gratuit à jouer. Ben écoute, Vincent, félicitations à toi, cher ami. Tu viens de gagner la clé de Paladin. D'ailleurs, Paladin, c'est un des jeux qu'on va jouer avec vous autres. Fait que, n'ayez pas peur pour ça. Je souligne aussi le fait que si jamais vous voulez jouer à Paladin, que vous n'avez pas la clé, vous n'en gagnez pas, vous pouvez quand même acheter maintenant le Thunder Pack. Oui, vous pouvez acheter le Thunder Pack qui coûte 20$, qui vous donne 100 cartes, un mount spécial, puis accès à la bêta. Donc, merci tout le monde. Je ne peux pas, par contre, passer sous silence que si vous aimez ce qu'on fait, partagez nos vidéos YouTube sur Facebook, partagez notre lien Twitch, partagez tout ce qu'on fait. Si vous voulez que ça grandisse, on a besoin de vous autres. Fait que, sinon... Je vous aime beaucoup. Si vous avez aimé le show, cliquez follow sur le stream si ce n'est pas déjà fait. On est live tous les jours, tous les jeudis en fait, à 20h, à 19h à partir de janvier 2016. La semaine prochaine, c'est notre dernier show qu'on va faire live. Après ça, la semaine d'après, le 17, on va gamer. Le 17 au soir, on game tout le monde ensemble, on va avoir bien du fun.